Fine. Je sais pas à quel âge chez vous c'est arrivé les je veux dire des caprices entre guillemets, mais je sais pas si on appelle ça des caprices, mais en tout cas Georgia elle affirme grave 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 son caractère là depuis genre 2 semaines. Dès qu'elle veut pas un truc ou dès qu'elle veut quelque chose qu'on lui donne pas, ou il suffit que on joue avec elle et qu'on va s'arrêter de jouer alors qu'elle elle a pas envie qu'on arrête de jouer, elle va s'énerver. Elle s'énerve. En fait, avant, elle pleurait. Et maintenant, elle a compris qu'elle pouvait s'énerver. Alors, elle s'énerve à tout va. Dès qu'on lui fait un truc qui lui plaît pas, si on lui prend son jouet, si on lui donne pas à manger assez vite. Et voilà, on passe des étapes à chaque fois. Ben, on voulait aller à la ferme. J'étais déterminée. J'ai parlé de ma ferme toute la semaine. J'ai rendu fou Paga avec la ferme. Et au final, Georgia, elle a dormi jusqu'à maintenant. Donc, comment vous dire, j'ai un rendez-vous dans 45 minutes. Je voulais y aller avant 13h, justement, pour après aller à mon rendez-vous. Donc là, c'est trop tard. Je suis trop dégue, je voulais trop l'amener à la ferme. Bon, après, j'ai encore le temps, hein. Je peux toujours y aller ce week-end, la semaine prochaine. Puis elle est encore petite, on ira plein de fois encore à la ferme. Mais je sais pas, aujourd'hui, je voulais sortir, je voulais aller à la ferme. Georgia? Oh! Regarde. Mais. Il faut le caresser. Il faut lui faire des caresses. La colère, hein? Hein? Ils te mettent la colère, ceux-là. Ils te mettent la colère, ceux-là. Ah, il te met la colère, hein? Elle va s'énerver. Tu t'énerves pas, ça va. C'est bien. C'est bien, mon ange. Ta ta ta, ta ta ta. Mounette! Wouh! Allez, viens! Et. Pouette, 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 pouette. Mounette! La fourmi m'a piqué la main. La coquine. Elle avait faim. L'araignée m'a piqué le nez. La coquine. Elle était fâchée. Le bourdon m'a piqué le menton. Le coquin, il était ronchon. Je reçois beaucoup de messages de mamans, enfin de femmes qui me disent qu'elles ne sont pas de Marseille et qu'elles ne pourront pas venir au vide dressing. Évidemment, je m'en doutais. Pour vous dire, c'était vraiment important pour moi de faire ce vide dressing parce que je voulais vraiment faire participer en fait les dons. Tout l'argent que je vais récolter, je le donnerai à une association qui me tient à cœur puisque c'était l'association, c'est une association pour les enfants malades. C'est vraiment une cause qui me tient vraiment à cœur. Et je voulais pas gagner d'argent sur ce vide dressing, c'était vraiment quelque chose que je voulais pas. Donc du coup, c'est pour ça que je fais pas forcément Vinted, mais je vois que de plus en plus, vous me le demandez vraiment. Donc pourquoi pas faire un Vinted et reverser les dons à des associations aussi, c'est forcément possible. Mais pour ce vide dressing, je suis désolée, ça sera vraiment à Marseille, donc pour les personnes qui habitent dans le sud, mais celles qui sont pas d'ici, je pense à vous très bientôt.
Et je voulais aussi vous dire, ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres. J'ai pas mis absolument tout ce que j'ai à la maison à vendre, parce que ça serait beaucoup trop, mais j'ai encore plein de choses pour les bébés, des articles de puériculture que j'utilise plus, que je vais pas mettre au vide dressing. Et si par exemple il n'y a pas tout qui se vend, je ferai des lots. Cette fois-ci, par contre, je ferai des lots pour faire gagner à des mamans ou des jeunes filles, peut-être s'il me reste des vêtements ou des chaussures, ben, je ferai des petits lots et je vous les ferai gagner. Voilà, je pense que c'est aussi bien parce que ça peut faire plaisir aussi de gagner ben, voilà, des petits trucs et tout. Et en plus, tout ce que j'ai encore en puériculture et tout, je sais qu'il y a plein de futures mamans et je suis vraiment consciente à quel point ça coûte super cher. Les trucs de bébé. Du coup, si je peux vous en faire profiter, franchement, je serais contente. Donc, je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure. Ah voilà. Voilà. Ouais. Let's go à l'île Maurice. Mais non, c'est pas la lave. Bon, du coup, aujourd'hui, on est allé récupérer une commande qu'on avait faite avec bagages chez Ikea pour les meubles de la chambre de Georgia. Donc aujourd'hui, ils sont en travaux à la maison. Je vous dis pas, il y a toujours un truc à faire en ce moment. Nous, on va au bureau avec Laura parce que je vais tourner mon récit d'accouchement 9 mois plus tard, mais il me tenait à cœur vraiment de le faire parce que j'ai eu un accouchement quand même à 37 semaines, j'ai accouché à 8 mois et je me suis dit que ça pouvait être grave cool de tourner une vidéo YouTube sur ça et surtout parce que du coup, vu que je vais réaccoucher une deuxième fois, et ben le fait d'en faire un premier, ça me permettra de comparer avec le deuxième et de refaire un deuxième récit d'accouchement. Donc voilà la petite nouvelle du jour. Et puis comme vous avez vu, j'ai trouvé une super poussette Cibex pour partir en vacances. Donc je suis vraiment contente parce que la yo-yo, je suis pas très fan personnellement. D'ailleurs les filles qui me suivent, les mamans, peu importe, je voulais vous demander quelque chose. Si vous avez un contact de quelqu'un qui donne des cours d'écharpe en portage. En fait, moi, j'ai pas fait les cours pour Georgia et je ne savais pas du tout manier l'écharpe. J'ai jamais mis Georgia en écharpe. J'ai toujours fait le porte-bébé et là, pour le deuxième, franchement, j'aimerais trop faire de l'écharpe. Sauf que vraiment, j'y comprends rien et c'est vrai que ça a l'air quand même assez compliqué. Mais quand on, j'ai l'impression que quand on sait faire, bah, c'est facile en fait. Donc voilà, si vous avez une idée de où je peux apprendre à faire une écharpe de portage, ça serait sympa pour moi. Regardez l'avancement de la chambre, la nouvelle chambre de Georgia. De quoi je fais un don. Ah putain, montre les pansements que je t'ai fait, mon amour.